Hey, salut les Fetty Fans, comment ça va aujourd'hui? Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous fêtions un très bel anniversaire, à savoir les 30 ans du premier album de Shakira, Magia. Et pour célébrer l'événement, un fan club a eu la bonne idée de créer une poupée à l'effigie de Shakira, donc que je vous montre ici, et que je vais vous présenter en détail dans quelques secondes. Alors pour un gain de temps, j'ai enlevé tout ce qui était élastique, voilà, papier, du disque, etc. Pour gagner un tout petit peu de temps, on va s'attarder sur le disque. Et beaucoup de gens qui me posaient la question de « Alors, le disque est comment? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» J'ai pas pu vous répondre parce que je ne savais pas. Voilà, très très beau. Bon, il y a juste là où c'est un peu mal collé, mais franchement, moi, j'aurais pas pu faire mieux. Ça change, j'adore cette photo en plus, et de la mettre en jaquette avant de 10, non franchement j'aime beaucoup cette photo. Et en plus ils l'ont bien fait, bon, je dirais pas en haute qualité, mais voilà, elle est moins pixelisée que sur internet. Ah ouais, même celle-là, j'ai jamais vu aussi clair cette photo. Non mais je vous jure que c'est vrai, j'aime aussi cette photo et à chaque fois que je la vois sur internet, elle est toujours ultra foncée, on voit pas trop Shakira. Mais là franchement, ils ont bien poussé la luminosité mais sans que la photo soit pixelisée, vous voyez. Pour l'instant je suis conquise, ouais. Oh my god. Ah ouais. Ah non mais c'est juste de la folie quoi. Ah mais l'intérieur du disque et tout. Ah ouais non mais franchement pour quelque chose de pas officiel, franchement, c'est un très très beau travail. Alors je vous ferai des photos hein, pour ceux qui, voilà, qui veulent un peu plus de détails. Je ferai des photos comparatives de ce qu'il y a sur la boîte et par rapport à ce que vous voyez là, vous verrez que la plupart des poses sont vraiment les mêmes qu'avec la poupée quoi. C'est juste excellent. Alors le disque. Non. Oh mais waouh. Oh le disque il est... Oh il est à tomber par terre. On dirait un mini... ouais c'est un mini vinyle quoi. C'est... Oh là là il est trop trop beau. Pour ceux qui n'ont pas le vinyle qui coûte une fortune sur internet, rien que ça, franchement, rien que pour ça, pardon, pour le disque, voilà, ça vaut vraiment le coup. Quoi. Le disque, il est juste magnifique. Quoi. Hop. Alors, normalement, je pense qu'ici, c'est le livret. Oh là, le livret. Oh là là, le livret, il n'a pas l'air. Attends, j'ai du mal à le sortir. Et puis, c'est vraiment. Oh. Ouais, alors le livret, pas top quoi. Ouais. Vous n'avez pas le... Voilà, vous n'avez pas le toucher, voilà, mais ça fait vraiment... c'est comme si que moi, je l'avais sorti voilà, directement de mon ordinateur quoi. C'est vraiment sur de simples feuilles. L'écriture est belle, mais voilà, ça fait vraiment papier quoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que l'écriture est belle, c'est pas flou, c'est pas étiré, c'est... Vous voyez derrière, là sur cette feuille, on a l'imprimé de la feuille de derrière, quoi. Ah, c'est le seul point noir. Mais j'aurais été plus déçu si le disque avait été raté. Vraiment, bon là c'est juste le livret. Disons que le livret, bon, je m'attarde pas trop sur les livrets en général. Voilà, moi c'est plus, plus ça quoi. J'avais peur vraiment que le disque soit pas top. Mais non, mais franchement, pour quelque chose de pas officiel, vraiment, c'est vraiment du travail de très très bonne qualité. Puis pour le prix aussi, parce que là, en même temps, je me suis dit, bon, sortir une poupée. Spécial anniversaire, ça va être ultra cher, alors que pas du tout. La voici.
Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai préalablement déballé hein, pour un gain de temps. Oh, mais la tignasse des cheveux, quoi, c'est... Oh là là, mon Dieu. La même que Shakira sur son vinyle, quoi. C'est juste impressionnant. Mais comment il a fait ça, quoi? Non, mais jusqu'aux boucles d'oreilles, quoi. Je me rappelle plus trop des boucles d'oreilles, mais s'ils ont poussé le vice jusqu'à faire les mêmes boucles d'oreilles, c'est juste des génies, quoi. Puis les détails de ce costume, j'adore ce costume en plus. Ils ont eu la bonne idée de changer le costume, quoi. Parce que normalement, Shakira, sur sa jaquette avant, elle a un haut noir avec les épaules dénudées et une jupe une jupe haute en jean. Et là, voilà, ça c'est le costume de la jaquette arrière de Magia. Ah, mais c'est vraiment du travail de très très bonne qualité, les coutures sont bien faites et tout. Oh, les bracelets, jusqu'au bracelet, quoi. Ah non, mais génial. Les bracelets, la mitaine et tout. Non, mais vraiment trop trop top. En résumé, eh bien, c'est une très très belle poupée. Elle est franchement super bien réussie et le disque, voilà, le disque, il est juste sublime. Malgré le livret qui fait vraiment vraiment papier, c'est vraiment le seul point noir de l'objet. Mais franchement, la poupée, elle est de super qualité. Les détails sont là et pour une poupée non officielle, franchement, elle est juste sublime. Cette poupée, elle est encore disponible, il y en a quelques exemplaires encore disponibles sur ebay.com à 25$ et 20$ de port. Donc voilà, et bien du Mexique, elle est juste, elle est trop trop belle. Voilà. Bravo au fan club qui a fait cette poupée, vraiment, vous avez fait un superbe jeu. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Hasta pronto, festival.